Sants Gran Canaria. ¡Vamos arriba, ese público! ¡Vamos los puntos! ¡Vamos arriba! Bonjour à tous amis trailer. Donc là nous sommes partis sur une épreuve sur les îles des Canaries qui s'appelle la Trans Gran Canaria. Donc elle est annoncée avec 128 km et 7500 mètres de dénivelé positif. Donc là on vient de partir de nuit, il est 23h. Local. Et là, comme d'habitude, ça part très très fort. J'ai l'impression que je cours qu'avec des élites. Donc là pour l'instant on longe l'océan. Je vais juste vous préciser que la course, en fait, on part du nord de l'île, sur la commune de Las Palmas. Et on va arriver au sud, sur une ville qui s'appelle Las Palmas. C'est sympa d'être parti là. On est dans l'ambiance, ouais. C'est assez cool. Ça part fort, ça part fort. Et puis il fait bon, il fait 18 degrés pour l'instant. Ah ouais, on suit comme des boucles. Donc là on arrive gentiment, on a fait 9 km. Et là le peloton commence à s'étirer. Donc ça devient un peu plus sympa. Enfin, personnellement c'est ce que je préfère. Cada uno tiene su reto. Lolo no habla español. Y lo pueden contrastar con todo. Bon, bah voilà. Je sors du premier ravitaillement du kilomètre 16,5. Donc pendant ces 16,5, on a fait 550 des plus à peu près. Et donc je suis passé en 2h, à peu près 2h, 2h01. Donc voilà, c'est reparti. Thank you.
ne s'est perdu avec Sébastien. Au ravitaillement précédent, je croyais qu'il était reparti devant moi, mais je ne l'ai pas aperçu là. Donc, j'imagine qu'il est derrière, je sais pas, on verra bien si on se retrouve. On est dans une petite montée là au 33e kilomètre. Bon bah le jour se lève, je viens de sortir du ravito du 50e là, j'ai même quasiment 52, ça caille, hein. Vous voyez, on a mis les vestes, donc là ça va être plus sympa, on va pouvoir voir les paysages. Sur ce ravito j'ai pris plus de temps parce qu'il fallait vraiment que je me crème les pieds. Là, le nord de l'île est beaucoup plus végétal, on retrouve beaucoup plus de forêt que la partie sud. Il fait un petit peu moins chaud entre guillemets parce que les nuages qui arrivent du large en fait sont souvent bloqués par les montagnes, et donc c'est fréquent que la première partie de l'île est un petit peu plus nuageuse. En fait il y a un petit peu plus de pluie que sur le sud, sur Maspalomas, où vous verrez que si on y arrive bien sûr que c'est vraiment beaucoup de cailloux. Donc l'année dernière il y a eu pas mal d'incendies sur l'île. Et on peut voir là des arbres qui ont été calcinés. Voilà, la nature reprend ses droits, mais voilà, il va falloir encore quelques années pour qu'ils repartent complètement. On aperçoit le Rocco Nueblo, l'emblème de l'île. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Là c'est le nord de l'île, complètement sous les nuages. Et le sud, il est là-bas, complètement au soleil. Il y a vraiment deux opposés, tous les nuages sont bloqués ici par la chaîne montagneuse. Oui, sinon petite particularité, j'ai des bâtons. Je les avais pris l'année dernière sur l'Infernal Trail des Vosges, là, sur le 122. J'avais pas fait de vidéo. Et ça m'avait bien réussi, donc j'ai décidé de les reprendre. C'est magnifique, hein. Les paysages qui sont super. Avec le contre-jour, je sais pas si vous verrez grand chose. En tout cas, j'adore ce trail. Hein. Le paysage. Là, en plus, je suis isolé, il n'y a personne derrière.
J'en ai vu tout à l'heure devant. Mais là en ce moment je suis vraiment isolé. C'est super. Les sentiers pour moi tout seul. Le kiff total. Bon par contre, ce ravitaillement il est un petit peu long là. Je vous avouerai que je suis un petit peu en souffrance. J'ai eu un petit peu du mal à m'alimenter. Pas à m'alimenter mais j'avais pas envie de barre énergétique. Le dernier ravito en fait il était bof bof. Donc j'ai hâte d'arriver au 63e là. Pour en espérant que le ravitaillement soit quand même de qualité. Là j'essaie de me relancer en mangeant une barre énergétique. J'ai failli me tordre la cheville. Mais là c'est moyen quoi. Bon, en tout cas les dossards sont bien faits. Il y a le numéro et il y a le profil du parcours. Donc au moins ça permet d'avoir quelques indications. Wow, comme quoi hein, je suis vraiment tout seul. Hein. Personne derrière, personne devant. J'ai gardé ma surveste là parce que la température est en train de monter. Mais il y a encore un peu de vent. Comme mon t-shirt en dessous il est complètement humide. J'ai peur d'attraper froid au ventre. Et si j'attrape froid au ventre, l'estomac en vrac, c'est pas terrible. Donc je préfère faire gaffe. Du coup je transpire un peu plus. Là on est à 9h38 de course, 60 km. Et là, je suis pas sur le dénivelé, mais on a passé les 3006. J'avais pas vu. On est vraiment sur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu des incendies l'année dernière sur cette île. Et là, je suis vraiment sur un pan de montagne qui a complètement brûlé. En tout cas, ici, voilà, on voit bien que c'est complètement calciné. Ça me tarde d'arriver au ravito parce que je commence vraiment à avoir faim. Plus la ma montre est en souffrance là, il n'y a plus beaucoup de batterie donc je vais la charger. Franchement, c'est magnifique. Ça fait un énorme dépaysement. Donc ça fait du bien pour un début mars. On trouve des températures quand même assez estivales. Au mois de mars, grosso modo, hein, le soleil se lève à 7h et se couche à 19h. Hein. Quelques minutes près, mais voilà. Vous avez une amplitude de 12 heures de jour et 12 heures de nuit. D'ailleurs, c'était un petit peu une nouveauté pour moi, c'est la première fois que je faisais un départ à 23h. Et c'est vrai que j'ai pas été très bon dans la gestion de la dernière journée. C'est pas vraiment facile de trouver le sommeil. Donc c'est une expérience à faire. Et grâce à ça, on apprend toujours un petit peu plus. Donc là, je sais pas trop où on va, mais je pense qu'on va monter là-haut. C'est pas facile de se remettre en route et de recourir. Mais il faut faire l'effort, même si on voit un petit trot, des petits pas, il faut faire l'effort. Regardez-moi ça comme c'est beau. On a là-bas en plus la roque des Nueblo.
profite. Ah, j'ai une bonne passe depuis 3-4 km, ça tourne tout seul. Les aloe vera. Il y en a là, il y en a là. Il y en a de l'autre côté. On a même des petits cactus. C'est le kiff. On se croira au Far West. Encore 55 bornes. Bon bah je sors du ravito du 73e, sauf que j'ai quasiment 77 km mon compteur. Et il faut remonter là-haut en fait. Hein. On voit pas le rocher, il est tout là-haut en fait. Hein. Donc j'ai profité du ravito, j'ai pris des pommes de terre douce. Ici ils appellent les patates canariennes. On a 1000 mètres de dénivelé positif là. En plus là avec la chaleur, on est dans la vallée donc on sent vraiment la chaleur. Donc là pour la montée j'ai pris 3 bidons. C'est pas très long en distance mais comme il fait chaud et bon, en tout cas même si c'est difficile ça change pas hein, que c'est quand même assez chouette. Hein. On a des palmes en bas de fou. Il est là le roquet Noblo. Il fait 80 mètres de haut. Hein. Ça se rapproche, ça se rapproche. Et on a toujours des paysages de dingue. Là, de l'autre côté, là-bas, je pense que c'est Tenerife. Hein, avec le volcan que vous avez au milieu, là. Donc, je vous confirme, hein, j'ai demandé un local. Donc c'est bien l'île de Tenerife, là-bas, avec le volcan, le Teide. Après on a une descente d'environ 1,5 km je pense à peu près et puis là on remonte sur Garanon là où il y a le ravitaillement où on peut récupérer un sac perso une fois qu'on aura passé cette butte environ 1000 mètres de dénivelé positif pour 40-45 km je sais pas au juste donc voilà on a fait le plus gros déjà donc là aussi maintenant sur le parcours en fait on est deux courses. On rattrape des personnes qui font l'advance. Donc c'est un parcours de 60 ou 68.
Bon bah là du coup je pars du ravito de Garanon. Donc là je suis resté longtemps, je sais pas combien, 20 minutes, une demi-heure facile. Mais franchement il fallait que je mange et j'ai pas beaucoup mangé et je me sens un peu vide en fait. Bon c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé. Puis là du coup je viens de sortir les écouteurs, je vais mettre de la musique là, j'ai besoin de me mettre un petit peu dans ma bulle. Je vais essayer de profiter de chaque moment là. Bah, la nuit est tombée, l'avant-dernier ravitaillement est passé, il reste 15 km là maintenant. Donc j'ai eu la bonne surprise d'avoir Sébastien qui est venu me chercher, il va m'accompagner. Donc Sébastien était au départ et il va vous expliquer pourquoi il est arrêté. Moi j'ai arrêté au 40e, bah, tout simplement plus l'envie de courir, une grosse lobalgie 15 jours avant la course. Aucun plaisir sur les montées où je m'éclate bien, les descentes pareil. Donc au 40e j'ai préféré arrêter. Et puis reprendre l'entraînement tout doucement, tranquillement, avec les nouvelles échéances qui arrivent, et surtout la Diag pour la fin de l'année. Voilà. Donc du coup, je suis venu porter ma forte à David.
Bon bah voilà, finisher donc de la Transgrande Canaria classique, 128 km, je dois aller un petit peu plus à mon compteur mais c'est pas grave. Par contre le dénivelé il y est pas, hein. Il n'y a pas les 7005, je sais même pas, elle est pas enregistrée mais on est plutôt sur du 6002 à peu près. Donc voilà, bon, bah, une bonne chose de faite, ça s'est fait un petit peu dans la douleur mais bon je suis content, j'ai réussi à la fin à relancer un petit peu grâce à la présence de Sébastien là. Donc voilà, bah, je ferai un petit débriefing ultérieurement. A bientôt, salut!